Comment améliorer votre visibilité sur LinkedIn? C'est une question qui revient assez souvent, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo qui va être très longue, mais je vais vous donner les conseils nécessaires pour que vous ayez beaucoup de visibilité sur LinkedIn. Je vais vous donner un petit secret que tous les experts LinkedIn, en tout cas tous les influenceurs sur LinkedIn, utilisent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pauvreau, je suis expert en prospection digitale, principalement sur LinkedIn. Et du coup, j'ai une agence LinkedIn qui va vous aider grâce à un programme à augmenter votre visibilité, à être plus influent, à avoir plus d'autorité sur Internet et à créer des conversations que vous allez transformer ensuite en clients à travers l'agence qui est juste derrière, qui s'appelle l'agence LinkedIn Guru. Juste avant du coup de vous expliquer comment être beaucoup plus visible sur LinkedIn, j'aimerais vous proposer deux choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube dans laquelle je vais vous partager à peu près tous les conseils, toutes les questions que vous vous posez sur LinkedIn. Je vais essayer de vous répondre à ces questions-là sur la chaîne. Donc, il y aura, vous aurez toutes les ressources nécessaires pour avoir du succès sur LinkedIn. Donc, abonnez-vous en cliquant sur le bouton « s'abonner » juste en dessous cette vidéo. Et je vous propose de nous rejoindre dans un groupe Facebook, un groupe privé spécialisé sur la prospection B2B sur LinkedIn. Donc, on est à peu près aujourd'hui 400 personnes à l'heure où je vous parle. Des professionnels de la vente B2B, des entrepreneurs, des coachs, des consultants spécialisés du coup, comme je vous le disais, sur la vente B2B et dans lequel on va échanger tous les jours. Moi, je vous donne déjà au moins un conseil par jour dans ce groupe-là. Mon associé aussi. Puis du coup, il y a des questions. Il y a des échanges très intéressants sur la vente B2B. Donc, pour le rejoindre, il suffit tout simplement de rechercher juste en dessous de cette vidéo dans la description. Je vais vous mettre le lien du groupe Facebook et on va attaquer tout de suite, du coup, la question comment être visible sur LinkedIn. Avant de vous donner des techniques vraiment sur LinkedIn, comment en faire pour être visible, on va reprendre la base. Et en fait, pourquoi vous voulez être visible? C'est simplement parce que vous allez vouloir avoir plus de clients. Et pour ça, il va falloir avoir un vrai positionnement, une vraie différence. En toute honnêteté, si vous êtes un commercial lambda ou un directeur d'une entreprise, un entrepreneur où il y a juste écrit CEO de telle société, vous aurez beau chercher à être visible, vous ne serez pas visible. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas une différenciation, vous n'aurez pas suffisamment travaillé votre buyer persona et votre position. Donc, si c'est le cas, je vous invite à regarder. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, sur le buyer persona, sur le positionnement, sur la prospection générale sur LinkedIn. Mais ce qui est bien important, c'est de vous différencier en travaillant votre profil, en optimisant votre profil, en travaillant votre photo, en tout cas le contour autour de votre photo, en travaillant votre bannière, en travaillant la description, en travaillant le titre de votre profil. Tout ça, c'est extrêmement important pour votre visibilité. Déjà, la première partie, c'est d'optimiser votre profil, optimiser du moins au moins le haut du profil. De cette façon, vous allez créer suffisamment d'intérêt sur votre profil pour que les gens aient envie d'aller plus loin, de cliquer sur votre nom lorsque vous apparaissez dans des commentaires ou lorsque vous apparaissez dans sa recherche à lui. Et puis derrière, ce que vous ferez, c'est que vous allez optimiser le bas de votre profil pour que cette personne-là ait envie d'aller plus loin avec vous et envie de vous contacter et envie peut-être de prendre rendez-vous avec vous si vous mettez un lien directement vers un calendrier par exemple. Mais avant qu'on arrive à ce stade-là, il va falloir que la personne vous trouve. Pour ça, déjà, la première façon, c'est au moins d'intégrer les mots-clés qu'éventuellement une personne pourrait taper dans la barre de recherche sur LinkedIn. Elle va peut-être taper, par exemple, si vous êtes consultant en SEO, référencement naturel. Elle va faire des recherches pour trouver votre profil. Donc déjà, c'est une première chose, c'est d'imaginer quels sont les mots-clés que les gens peuvent taper dans une recherche. Et ces mots-clés-là, vous allez les intégrer dans les titres de vos expériences professionnelles. Vous allez intégrer ces mots-clés-là dans la partie info, votre résumé. Vous allez, si vous le pouvez, l'intégrer dans la partie titre de votre profil. Par contre, n'allez pas rentrer ces mots-clés-là, comme je l'ai vu dans certains cas, dans votre nom ou votre prénom, ça sert absolument à rien, ça fait juste des profils dégueulasses et ça ne changera pas grand-chose. Soyez malin, essayez, si c'est des compétences que les gens recherchent, ben mettez-les dans les compétences, c'est à ça que ça sert sur LinkedIn. Donc là, déjà, il y a la partie mots-clés. C'est un travail relativement long à faire. Ne croyez pas que vous allez être visible du jour au lendemain sur les mots-clés si vous ne travaillez pas vos mots-clés et si vous ne faites pas une bonne recherche
de mots-clés, pensez vraiment aux mots-clés qui sont le plus utilisés, pas penser aux mots-clés que vous, vous utiliseriez, parce que vous êtes un expert. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous avez beaucoup plus de connaissances que la personne qui est en train de vous rechercher. Donc, ne cherchez pas des mots compliqués. Mettez des mots que vos clients utilisent. Donc, ça, c'est la première partie. Vous allez travailler vos mots-clés et optimiser votre profil LinkedIn. La deuxième chose, c'est que vous allez commenter le plus possible des publications. Donc ça, c'est la deuxième technique, c'est que vous allez identifier finalement les meilleurs contenus. Donc, vous tapez là, pour le coup, encore une fois, des mots-clés dans la barre de recherche. Par exemple, si vous êtes en référencement, vous tapez référencement, etc. Vous repérez des posts soit de concurrents, soit des posts de personnes influentes dans le domaine du marketing digital ou du SEO. Et vous commentez. Vous commentez le post, mais vous allez commenter aussi en répondant à des prospects potentiels. Donc là, vous allez être visible puisqu'ils vont voir Florian a commenté votre publication ou votre réponse, ou vous a répondu sur ce commentaire. Donc là, vous commencez à être visible. Si vous faites ça une dizaine de fois par jour, par exemple, ça veut dire que déjà, vous allez être visible par 20, 30, 40, 70 personnes par jour juste en faisant ça, et vous allez donc avoir des visites sur votre profil. Donc ça, c'est déjà une première technique qui est très importante, qui est très, très, très utilisée. C'est pour ça que je vous conseille au moins de faire une dizaine de commentaires par jour en repérant les personnes qui sont intéressantes pour vos prospects. N'allez pas commenter ce qui vous plaît, allez commenter ce qui plaît à vos prospects, ce que vos prospects regardent. C'est comme ça que vous gagnerez en visibilité. Une, et c'est peut-être l'avant-dernière des méthodologies, puisqu'après, je vais vous donner en fait une petite technique aussi pour gagner beaucoup plus en visibilité et booster et multiplier toutes les actions que vous êtes en train de faire. Mais ça va être tout simplement de rédiger du contenu. Rédiger du contenu. J'ai fait un article dernièrement sur comment rédiger un article parfait sur LinkedIn. Donc, je vous invite à le rejoindre, à le regarder la vidéo. Je ne vais pas tout vous répéter, c'était une vidéo assez longue. Mais rédiger du contenu. Combien de fois? Moi, en général, je publie entre 2 et 3 fois par semaine. Tout simplement, je publie le lundi. Et tant que je reçois des commentaires, tant que j'ai des gens qui sont intéressés sur ma publication, je la laisse. Quand je vois que finalement, j'ai plus grand monde qui est en train de commenter, j'en recrée une. Essayez de la publier au moment où vous voyez qu'il y a le plus de personnes intéressées, et souvent le matin, pour profiter toute la journée de travail de votre cible. Donc ça, je vais vous mettre le lien de la vidéo, soit au-dessus de la vidéo, soit tout simplement en description de cette vidéo, pour avoir toutes les techniques pour produire des contenus efficaces. C'est assez particulier pour construire des contenus viraux, c'est-à-dire qu'ils gagnent beaucoup de visibilité, mais vous pouvez avoir comme ça 10 000, 50 000, 30 000, 20 000, 50 000 vues par article. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près 10% à 15% des gens qui vont ensuite cliquer sur votre profil. Donc, si vous le faites 2 fois ou 3 fois par semaine, ça commence à avoir des grosses volumétries de visites sur votre profil. Il faut savoir que LinkedIn, c'est le seul réseau social où, avec peu d'abonnés sur votre compte, avec 1500, 2000, 3000 personnes qui vous suivent, qui sont connectées à votre réseau, vous pouvez avoir autant de visibilité, les 50 000 vues, etc. C'est quasiment le seul réseau social. Peut-être le faire sur Twitter ou sur Instagram, mais c'est particulier sur Instagram, il vous faudra beaucoup plus de followers. La dernière et la technique que l'on utilise tous, c'est de se faire un réseau d'amis, un réseau d'influenceurs, en tout cas de professionnels, de personnes qui vont vous aider à booster vos posts et en contrepartie, vous les aiderez. Comment ça se passe? C'est que vous allez créer par exemple un petit groupe sur Facebook Messenger ou sur WhatsApp avec des anciens collègues ou avec des gens qui, des concurrents qui veulent bien jouer le jeu, qui sont dans votre secteur, ou des partenaires. Vous vous mettez tous dans ce groupe Facebook et à chaque fois que vous allez publier un article, vous allez prendre ce lien et vous allez le partager dans ce groupe d'influence, ce réseau d'influence. Et chaque personne de ce groupe s'engage à venir commenter, laisser un commentaire sur chaque publication de tout le monde. Donc, faites pas des groupes avec 200 personnes, sinon vous avez passé votre vie et votre journée à publier des commentaires sur les 200 posts, mais faites des petits groupes de 10, 15 personnes. Et comme ça, vous avez déjà vos 10 commentaires et vous allez commenter des
postes qui sont dans votre cible si c'est des partenaires ou si c'est des concurrents. Si vous comprenez l'algorithme, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que LinkedIn va se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui interagissent, il y a beaucoup d'engagement sur votre poste très rapidement sur la publication, puisque vous la publiez dans votre groupe d'influence directement après l'avoir publié. Et donc, les gens viennent commenter. Et donc, LinkedIn va mettre en avant ce poste sur le réseau de ces personnes-là et sur votre réseau, va élargir la visibilité de ce poste pour que ce buzz naissant continue. Chose qui est très très importante, que vous utilisiez ou non cette méthodologie, dès lors qu'il y a quelqu'un qui fait un commentaire sur une de vos publications ou qui vous répond à un commentaire, répondez. Renvoyez un commentaire, répondez au commentaire et le plus rapidement possible. Vous êtes dans sur un réseau social de conversation, vous devez rester dans la conversation. Si vous faites ça, si vous avez optimisé votre profil, si vous avez fait en sorte que ce profil soit bien compréhensible, qu'on ait envie de cliquer sur votre profil lorsque on vous voit apparaître, si vous commencez à commenter très souvent des publications virales, des publications qui fonctionnent bien, qui font 2000, 3000, 4000 vues, et que vous-même vous publiez du contenu souvent au moins 2-3 fois par semaine et qu'en plus de tout ça vous vous créez des réseaux d'influence qui boostent vos contenus, vous aurez beaucoup beaucoup de visibilité sur LinkedIn. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, il va falloir faire ça peut-être pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Puis de toute façon je pense que quand vous aurez commencé à le faire et que ça aura du résultat, vous aurez pas envie d'arrêter, mais c'est super puissant. Alors ayez confiance, commencez. Je vous assure qu'au départ, c'est normal, vous n'avez pas d'audience, vous n'avez personne qui vous fait confiance, vous n'avez pas ce petit réseau qui fait qu'à chaque fois que vous postez, il y a des gens qui systématiquement viennent vous répondre, viennent commenter à votre article et donc boostent votre article. Pour l'instant, vous n'avez pas ça, donc c'est normal que ça ne marche pas. Ça va mettre du temps, mais il faut que vous commenciez, il faut commencer à un moment donné. Et je vous assure que ça sera très puissant pour trouver des clients, pour augmenter votre autorité et donc pour vendre plus grâce à LinkedIn. Donc voilà comment vous allez pouvoir augmenter votre visibilité. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça m'aidera à savoir que mon contenu sert à quelque chose et qu'il est en train de vous aider. Si vous voulez encore plus m'aider, laissez-moi un petit commentaire en dessous, ça aidera de la même façon l'algorithme de YouTube à comprendre que cet article, cette vidéo est pertinente et à vous a aidé. Laissez-moi un petit commentaire en dessous. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.